Salut à tous, c'est Démon, j'espère que vous allez bien. Vidéo découverte sur Predator Hunting Ground. Mais avant de débuter, je voulais vous parler un petit peu du PlayStation Plus et un petit peu de la façon de faire que je trouve chiante. Voilà, Hitman. Comme vous pouvez voir, on a eu toutes les extensions avec. Alors c'est super, c'est cool. Hein. Mais le souci, c'est que j'ai mis comme ça venait. Donc Hitman était présenté en premier. J'ai mis Hitman, j'ai pas forcément lu tout le descriptif qui avait toutes les extensions et tout ça. Bref, pourquoi pas, c'est cool quand on a un jeu avec toutes les extensions, tous les DLC, blablabla. J'ai pas te sortir la musique. C'est cool, ils nous ont donné ça, bien. Sauf que quand tu mets en téléchargement, t'as tout qui s'ajoute au fur et à mesure. De ce fait, c'est que quand j'ai mis Predator Hunting Ground, j'étais. Je l'ai mis ou je l'ai pas mis? Parce que c'était encore en train de mettre Hitman 2 Bombay en téléchargement, Hitman 2 White Wolf Creek, et tous les uns après les autres, ça prend une plombe. Surtout que la PlayStation, bien pensée, va télécharger les trois premiers à chaque fois qui sont en vue. Donc le problème, c'est que ben si tu voulais télécharger en priorité Hunting Ground, il faut que tu retournes après sur cette page-là de téléchargement, que tu le mettes en téléchargement tout de suite. Bref, vous comprenez que pour ma part, je trouve ça assez... Ils n'auraient pas pu faire tout simplement un pack. Je sais pas moi, hein, comme sur PC, un zip avec toutes les extensions et que par la suite, bah voilà, ça s'installe. Surtout que je pense que dans certaines extensions, il y a pas mal de choses qui sont redondantes à d'autres choses. Enfin bon, bref. Ça, c'était mon petit pas coup de gueule, mais une petite remarque. Ah ouais, ça grince. Hein. Oh oui. Il fait une chaleur de mort chez moi. Alors croyez-moi, je suis affalé parce que je ne peux pas. Ensuite, une dernière chose. Hitman 2. Je vais vous faire la découverte aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que je n'aime pas les jeux d'infiltration. Ou qui sont basés sur de l'infiltration. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les Metal Gear Solid. Alors, j'aime certaines facettes de Metal Gear Solid. Il y en a un où, justement, tu as le choix. Soit tu arrives en infiltration, soit tu arrives en gros bourrin. Je vous laisse deviner ce que j'ai choisi. Je sais plus c'est lequel, mais selon moi, c'est un qui te... Oui, c'est cool. Parce que j'ai horreur des phases d'infiltration dans n'importe quel jeu. Je trouve ça chiant. Attendre pendant 3 heures. À votre avis... Pour moi, les meilleurs dans les jeux d'infiltration, ça doit être les campeurs sur Call of Duty. Ils ont la patience, je n'ai pas la patience. Ça me frustre énormément. D'attendre qu'un mec passe 15 fois à côté de moi et que je sois caché pour le défoncer. Et c'est un petit peu ça aussi dans... Quel jeu je vous avais fait? Days Gone. Le côté infiltration, c'est pas mon fort et j'aime pas trop ça. Bon, sur ce, on va lancer... Predator Hunting Ground. Alors j'ai vu quelques vidéos par je sais plus, je crois que c'était Dr. Horse hein, qui avait fait avec sa team. Alors on va voir ce que ça va donner hein. Et en même temps ça va vous permettre de voir exactement j'ai pas encore du tout lancé le jeu parce que honnêtement ça fait 5 minutes qu'il est terminé. Vous avez vu ma connexion, elle est vraiment merdique. Donc et encore là je me plains pas parce qu'il pleut pas, il n'y a pas d'orage, donc ça va plus ou moins bien et j'ai rien qui tourne en arrière-plan, donc c'est déjà pas mal. Oh. Donc bien évidemment s'il y a des trucs personnels je flouterai hein, parce que si c'est encore le genre de jeu où il faut un compte sur autre chose ou quoi que ce soit. Ok. Oh. Donc des défis quotidiens. D'accord. Ok. Extra. Moi j'aime bien aller voir tout de suite les extras. Éléments à récupérer. Ok.
La cassette d'Isabelle. Alors attendez, 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 attendez. Première chose qu'on fait. Option. Merci. Et ça, je suis désolé. Cliquez pour lire et cliquez. Non, j'ai pas. Commande, manette, crédit, vidéo, audio. Audio. Musique. Yo. Eh oui, vous savez que pour YouTube, mieux vaut tout désactiver parce que vous ne savez pas autant lorsque vous avez posté votre musique, votre jeu, le jeu que vous allez présenter ou que vous allez jouer, tout va bien se passer. Et puis 2 mois après, en fait, vous allez vous faire striker la vidéo ou parfois même 3 ans après. Hein, j'ai déjà eu le cas. Vous allez avoir un strike sur une vidéo parce qu'il y a un petit bout de musique qui ressemble à quelque chose ou qui est passé en interdiction de. Enfin, tu vois. Qui est passé en monétisé. Enfin, bref, vous avez compris. En droit d'auteur. Donc, confirmé. Voilà. Ouais, tout a l'air bien. Ça, on s'en fout. Commande caméra inversée. Position accroupie maintenue, ouais. Commande de vol à la manette inversée. What the fuck? Ouais, bon, on verra ça un petit peu plus dans les détails. Alors, donc on va aller voir les extras. R1. La cassette d'Isabelle, c'est quoi? Know how long this is going to take? Hey, hang tight, hang tight. We just gotta get this thing recording. I'm a foreign national being held unlawfully. You have no jurisdiction. Bon. On va revoir un truc vite fait dans. Y a pas français. Ah. Bah ça, c'est pareil. C'est un jeu qui. C'est dans les jeux là qui. Ils veulent vendre le truc. Ça serait pas mal qu'ils mettent aussi un petit peu. En les choses en français, hein, les dialogues en français, je pense aussi à Genshin Impact, pourquoi pas avoir des doubleurs français. Alors, alors donc comme je vous ai dit, j'ai dû voir par défaut. Oh, détends-toi, détends-toi. Ok. R1. Apparence. Type de corps, corps. Corps. Ah, style d'armure. Est-ce qu'on peut? Ok. Ça change quoi en fait? Ah, c'est la couleur de l'armure, d'accord. Ok. Et par défaut, c'est bien. Style d'armure. Waouh. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Alors, principal. Donc, comme je vous disais, je pense que vous allez vous douter de ce que je vais dire par rapport à. En gros, j'ai rien en fait. Bon. Trousse de soins. Trousse de soins, d'accord. Alors, impénétrable. Insensibilité. Permet d'être en. Ouais. Ok. Alors, il y a de grandes chances que l'on fasse. Alors, principal QR. Est-ce que l'on peut changer? On ne peut pas changer parce que, bien évidemment, on ne peut que prendre la première classe, forcément. Apparence. Type de corps. Corps 1, corps 2. Ah non, bah non. Je suis un garçon. Je reste un garçon. Enfin, je suis non défini en vrai, puisque je suis un démon, donc. MDR.
Non, mais attends, attends, attends. Alors, fusil sniper. Ok. D'accord. Spécial. Ah ouais, d'accord. Là, c'est pour la jouer à la rambo. Ah, lance-patate directement, ouais. Ok. Ok. Donc, comme je vous disais, j'ai vu. Horse. Docteur Horse, me semble-t-il, donc il joue avec ses potes. Alors, ce que j'ai peur, c'est que ce soit un jeu où tu es obligé de jouer. Oui, je préfère prendre un. Ah, ou une mitraillette aussi, ça peut être pas mal. Les spéciales, on a quoi? Ah ouais. Là, c'est Rambo Terminator, quoi. C'est qu'on soit obligé de jouer avec d'autres personnes. Et vous savez que ça, c'est un truc où je suis assez frileux. Parce que je n'aime pas forcément les gens. Je dis franchement, j'aime pas forcément les gens. Je sais pas. Une cœur, généralement, tu as des dégâts aux unités IA. Ok, on a vu vaguement. Alors, il me tire encore un, mais il me casse les bonbons. Terminer des parties rapides en commando. Détruisez le biomasque du Predator. En effet, éliminer des PNJ. Ok. Alors, nous allons faire. C'est quoi ça? Valise tactique. Acheter une valise tactique. D'accord. Ok. Le didacticiel. Parce qu'on est comme ça. Cette vidéo-là sera basée sur le didacticiel du jeu Predator Hunting Ground. Et sur les autres épisodes, je ne sais pas si je ferai une chose complète parce que je ne suis pas extrêmement fan du genre de jeu. Il me semble qu'il y a un jeu du même style sur. Avec Jason, Vendredi 13, je crois, ou un truc comme ça. Et honnêtement, je suis pas vraiment très très fan. D'accord, donc. L3 pour sprinter. Oh, le bonhomme, il a une latence. De ouf. Ok. Ouais, par contre. Accroupi. D'accord. Ah! Bon. Attends. Ah ouais, non. Alors par contre, la sensibilité de la caméra. Ah ouais, d'accord, juste une fois. D'accord, même dans les escaliers, ça fonctionne, c'est génial. Ah, mais non, reviens, j'ai pas vu. R1 pour bondir.
Ok. Comment je suis? Appuyez sur la touche pour afficher la roue d'armes, puis sélectionnez l'arme ou l'équipement de votre choix, relâchez la touche, confirmez votre sélection. Ok. Appuyez sur R2 pour utiliser une arme. Lorsque l'arme ou un accessoire est sélectionné, vous pouvez effectuer des sélections associées à leurs fonctionnalités respectives. Même si d'autres armes seront disponibles ultérieurement. Le Predator dispose par défaut de plusieurs accessoires iconiques, dont le canon à plasma à l'épaule, les lames du poignet, furtivité, vision infrarouge et un mécanisme d'autodestruction. Ça fait beaucoup à éliminer quand même. Si je lui tire là, j'en y meurs. Oh non, c'est naze. On va tester un truc.
Alors, sachez que je n'appuie pas sur R1 ou quoi que ce soit, hein. Je fais juste avancer, hein. Ah d'accord. Ok. Attendre que ça se recharge, hein. On s'en fout. Oh, par contre, c'est cool. Ça passe à travers les feuilles.
Ok. Lorsqu'une cible a été... un message s'affiche. Vous pouvez récupérer un trophée. Approchez-vous du corps et appuyez sur la touche correspondante. D'accord. D'accord. J'allais dire, putain. Faut que j'y mette à trois fois avant de pouvoir réussir à aller sur le menu principal. Alors, première chose que je trouve un petit peu dommage. Et pourquoi j'ai une valise tactique maintenant? J'ai eu deux valises tactiques. Je comprends pas. J'ai eu 2500 points rien qu'en faisant le didacticiel. Je suis niveau 3 déjà. Ok. Donc pour avoir des peintures de guerre, des armes. Et des cosmétiques, quoi. Ok. Ça fait un peu loot box, quoi, histoire. Que des... Ok. Cool, cool. Cool, cool. D'accord, alors, attends. Extra. R1. Enregistrement. Oh, non. On s'en fout un peu de ça. Gameplay commando. D'accord. Maintenant la question c'est est-ce que... Ça va me gonfler. D'accord. Donc si j'ai bien compris j'ai gagné l'idée principale. Fusil sniper. Ok. Donc j'ai dû trouver un truc... Ah non, d'accord. Ah non. Tête. Peinture faciale. Ok. Alors, me semble-t-il, c'est pas une certitude. Mais il me semble que Dutch, 1987, il me semble que c'était le nom de Twardy pour le premier Predator. Bref, la prochaine fois, on essaiera de voir s'il n'y a pas un didacticiel en mode... comment dire? En mode je sais pas quoi. Cléopatra, Predator, is no aviable. Putain.
Ouais, si on peut prendre le mode. Comment dire? Le mode commando, hein. Moi je préférerais être commando quelque part pour essayer. Après maintenant, est-ce que peut-être ah, y a pas de. Soyons d'accord, c'est pas. Ok, on va prendre ça. Retour. Ah oui, là j'ai le bandana, c'est ça? Ouais, j'ai le bandana. C'est pas ça en fait que je veux savoir. Pas ça. Tête. Peinture faciale. Il fait pas trop sorti. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. C'était la peinture sorti. Bon, barbouillage, c'est pas mal. Hein. On s'en fout un peu, mais. Ouais. En secondaire, j'ai eu autre chose. Une mitraillette. Admettons, choisisse la PDW. Ok. Nuancé. Par défaut. Nuancé. C'est quoi la différence entre les deux, bordel de merde? J'arrive pas à la voir. Classique, silencieux, d'accord, sérieusement, c'est cool. Voilà. Bref, on va se laisser là. La prochaine fois, on essaiera de faire le didacticiel du parti commando. J'espère qu'il y en a, parce que s'il n'y en a pas, c'est un petit peu la merde. Après, bah, on verra pour faire une partie privée, une partie rapide. Vous avez l'habitude de comment je le fais. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee. Et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi!